David Perry, un concepteur de jeux vidéo qui a déjà sur l'affiche le jeu Global Gladiator pour McDonald's, mais aussi Cool Spot pour la marque 7-Up de Virgin et le déjanté Earthworm Jim, créé en 1993, un jeu de la Mega Drive à la date. Puis un énorme succès, ce qui permit à David Perry et son équipe de créer leur propre société de jeux vidéo, Shiny Entertainment. Avant de parler du jeu, parlons un peu du film qui est sorti un an avant le jeu vidéo. Un classique de Disney. L'histoire, c'est celle d'Aladin, un jeune pauvre qui est obligé de voler pour vivre. Il vit dans la ville fictive d'Agrabah et un jour il tombe amoureux de la belle princesse Jasmine, la fille unique du sultan du royaume, qui est promise à quelqu'un d'autre. Oui, ce quelqu'un d'autre, c'est le vizir Jafar, qui a d'autres projets. Il veut obtenir tous les pouvoirs et pour cela, il va devoir entrer dans la caverne aux merveilles pour récupérer la lampe du génie. Mais seul un homme au cœur pur pourra y accéder. Et ce jeune homme au cœur pur, ben c'est Aladdin. Aladdin, il fait la découverte du génie qui exauce des vœux et son vœu le plus cher, c'est de devenir quelqu'un de riche pour épater Jasmine. Mais c'est là que les ennuis commencent car Jafar va se dresser devant lui pour devenir le nouveau souverain. Note 4 sort le retour de Jafar en 1996, le roi des voleurs. Et il y aura même une série de dessins animés made in Disney. Parlons un peu du jeu maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, le jeu est vraiment magnifique. Pour un jeu de 1993, on en prend vraiment plein la tronche. Pour les animations des personnages qui sont déjà hilarantes, la jouabilité qui est plus que correcte, et puis toutes les petites références à l'univers Disney, sans oublier qu'il est fort proche du fait, mais ça c'est rare. David Perry a fait un travail exceptionnel en peu de temps, et ça se voit. Par exemple, dans le niveau du désert, vous pouvez apercevoir une corde à linge avec un bonnet de Mickey. Et si vous vous placez quelques secondes en dessous de ce fameux bonnet, eh bien vous obtenez eh bien une vie, tout simplement. Ceux qui se demandent ce qu'il y a dans la lampe du génie, eh bien c'est simple, une Mega Drive. Eh oui, c'était assez original de faire un niveau de la lampe du génie, puisqu'on ne le voit pas dans le film. Et remarquez la beauté des décors et l'originalité des graphismes. La même année sort une version Super Nintendo, mais bien moins belle, bien moins jouable que sa version Mega Drive. Et tous les fans préféreront la version Mega Drive, comme moi. Après sa version Super Nintendo, Aladdin apparaît dans un jeu PlayStation assez modeste et fit une apparition dans le jeu Kingdom Hearts Square Enix qui réunit l'univers Disney et celui de Final Fantasy. Mais une chose est sûre, Aladdin sur Mega Drive est un excellent jeu. Et beaucoup de joueurs aiment y rejouer et beaucoup de joueurs ont aimé le découvrir. Une perle de David Perry et on l'en remercie du fond du cœur.